Alors salut. T'as pas de job, ça. Je suis du label Dolby Records de Montpellier. DBRZ. Ça fait à peu près 3 ans que je suis dans le label. 4 ans que je fais du rap vraiment professionnel. Avant, je faisais du beatbox pendant 12 ans. J'en fais toujours, mais voilà, on essaye de promouvoir un maximum les pop sur les vidéos. On combat contre l'État comme des coups comme coup l'État, comme un Cuba, beaucoup de terre, on n'écoute pas vos dictateurs. Et les coupables sur la coupette, champagne pique-nique devant Gaza, c'est pour les. Tu vois, je rappe comme ça vient en fait. Il y a des thèmes dont j'ai envie de parler des fois c'est juste partager un truc avec un pote pour faire un petit flip, taper des bars et tout. Je rappe comme ça vient. Après, par exemple, en tant que technique et tout, j'aime bien quand on faire du rap assez rapide, des flows assez rapides, j'aime bien m'amuser avec ça, J'aime bien quand c'est. Je travaille plus sur la rythmique que sur la mélodique en fait, on va dire. Mais ouais, non, j'ai pas de style bien défini. Après, si je kiffe le rap un peu plus dark, underground, j'aime pas trop les trucs clubbing et tout. Playa, tu vois. Ouais. Quand j'ai commencé à organiser des soirées sur Montpellier, en fait, c'est Sushi, un beatmaker qui est maintenant sur Toulouse, qui organisait des soirées en fait au bar, le Scarabée Bar, un bar hip hop sur Montpellier. Je faisais le beatbox là-bas, j'animais et tout, il est parti sur Toulouse, du coup j'ai repris ça, j'ai organisé les Call of MC, ça a pris de l'ampleur, on est allé dans des grandes, plus grandes salles sur Montpellier, ainsi de suite. Et là j'ai rencontré de la belle Dolby Records et c'est grâce à eux qu'on a j'ai pu faire tout ça, Dolby, tout ça, toute l'équipe quoi. Ah, c'est bon en fait, j'écoute, je m'en fous, je suis au gratou. Après le hip-hop ça a vraiment le sens, c'est ce que j'écoute le plus. Les influences hip-hop ça reste en hip-hop américain, beaucoup, bon Busta Rhymes, Eminem, je pense qu'on est trop au cœur du monde. Même genre. Mr. Morbid, tout le rap underground, des Mob P, Mob Deep, tout ça. Et après en français, j'étais vraiment influencé par beaucoup l'équipe du 9-2, 9-3, en fait, surtout 9-2 et tout. Malek Almor, Beat 2, Boulet Liam, tout ça, avec Booba, l'ancienne Temps Mort, Lunatic, tout ça, et Oxmo Puccino. L'actu, bah écoute, on va sortir un album là avec Dolby Records en fait, avec le label qui regroupe un peu tous les sons qu'on vient de faire dernièrement, le featuring avec Sugar, Paco, à peu près tous les musiques de Dolby Records. On posera à peu près tous les titres dedans. Et donc il y aura Cador, Aze, il y aura Dolby, moi, il y aura Niken, il y aura du monde. Et moi donc j'ai Cicatrice du Bitume, donc voilà, j'ai un EP que je vais préparer avec Krone aussi, qui va sortir en 2014, plus la sortie de la tape Cador DBRZ Face à la Lune qui va sortir très bientôt. Ouais, pas de soucis, t'inquiète, hein. À la rage comme toujours mon ami. J'en ai plus du 400 d'espoir, toujours à 100%. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette foule, ce n'est-ce pas? Quand la bouche est douce, en peste, tiens en marche le bout de mouvement. Et t'inquiète pas, y'a de l'engouement. Une femme sincère, c'est pas souvent. Et m'en veux pas, c'est un comment. Des BRZ, crée les kimos. Clash mon espèce, très peu qui ose. Besoin d'espace, envoie la dose. Si je ralentis, c'est pour la prose. Moi je vois ce vaisseau comme un sauveteur. J'taftard ici tous par cheveux barbare ou à toute heure. Tartare, le tuteur, là les gars, frère, plein de bâtards. À la vitesse de la lumière.